Hello, bonjour tout le monde, c'est Nictou de nouveau avec une team, ça y est, ouf, enfin. Donc ben, confirmé dans la team évolution. Donc bon, reprise vite fait des vidéos quand j'ai un petit peu de temps pour moi. Donc ben, aujourd'hui un match contre Yakumo de la TA. Donc qu'on connaît bien puisqu'il a un très bon niveau. Donc il joue une full UU. Et donc moi bon bah, j'ai une team un petit peu prise comme ça bon pour le fun. Donc j'envoie Dark Doll, mon Brunette, une petite peluche, et lui la Brunette aussi, et lui la ceinture force. Donc bon moi je fais Shadow Claw puisque je suis Scarf. Et il résiste grâce à la ceinture. Donc bah, lui fait provoque pour m'empêcher de faire autre chose, mais il a pas compris que je suis Scarf. Il se barre, il place son coup de langue et moi je fais ma griffe pour rien. Donc je me barre, je mets Lucario, you can see me. Lui il fait curse et juste ensuite il se barre. Il me met Beyblade. La toupie, bon c'est Capoeira. Je fais close combat malgré l'intimidation. Et donc bon bah il va résister bidon. Donc moi j'anticipe séisme, donc je me barre. Et je mets Electro. Et bah non bah il fait Mach Punch. Comme quoi. Donc je sens rien du tout. Je vais faire donc lui bon il suit sur Noctali, moi je fais cage éclair au cas où il resterait, et bon bah, je vais me faire bien baiser parce qu'il a synchro. Bah oui c'est comme ça. Il se barre, il me met son Beyblade à nouveau, et moi bah je suis pas là. Mais bon tant pis. Il se rebarre, il remet son Woody, et je suis deux fois paral. Bon, je retourne, je fais Dark Doll. Il me fait point de feu que je vais sentir bien, mais sans plus. Je fais Trick pour lui carotte ses restes et lui il va se faire scarfer. Donc bon, bah, déjà qu'il est très lent, bah, ça va pas l'aider. Et il va être bloqué sur point de feu que je vais tenir bidon. Donc je vais faire Follet pour la tenir encore mieux et l'obliger à se barrer. Et donc bah, je vais réussir puisqu'il il va se barrer et il va me mettre mon hors destin. Et bon bah, je refais feu follet évidemment, et bon comme il est pas rare, ben, ça marche pas. Je fais Destiny Bond en anticipant en morsure, et non bah, finalement il me fait bâillement. Donc bon, il y a des idées, obligé de me barrer, je mets Lucario, je sais qu'il va recommencer, mais bon c'est pour l'objet à se barrer. Donc je vais mettre Elector. Et lui il va se barrer en croyant que je vais faire close. Donc il met son bras net. Il fait Destiny Bomb. Et moi, comme un idiot, je fais tonnerre. Donc je vais le tuer et ça va me tuer aussi. C'est très malin. Alors que je savais pertinemment qu'il allait le faire, mais bon. Il meurt. Il m'envoie Beyblade de nouveau. Je mets Lucario. Donc bon, ben, je mange l'anticipation. Je me dis. Il va pas attaquer, il va faire bulk up, donc je vais placer Mentally, et j'ai raison, il fait gonflette. Donc j'ai très bien anticipé. Je me suis dit il va certainement penser à un tricker ou quelque chose du genre, donc je fais psycho et il reste. Et donc bah, il va crever bidon. Malgré CC qui est inutile, puisque je suis modeste avec 394. Donc bon il m'envoie du Maril, je crée un Aqua Jet, donc je me barre, il fait cascade. Bon, tant pis. Et bah, vu les dégâts, je comprends vite que c'est un Chase Bander. Donc bah, le switch vraiment inutile. Donc j'ai pas switché sur le bon. Donc maintenant je mets Beauty, Milobelus. Il fait cascade de nouveau. Je vais la tenir moyennement. Ça fait quand même mal. Je suis plus rapide que lui. Donc je vais faire PC. Et c'est une PC électrique. Donc bon. Voilà. Et il sent quasiment rien. Bah oui, donc normal, il a des E1 d'espec et donc un petit peu moins d'attaque je suppose, d'où le fait qu'il n'affiche pas tant que ça. Et donc je vais faire soin, je me dis je vais pouvoir en tenir une autre, et étant plus rapide je vais pouvoir faire soin et alterner avec la PC. Et manque de bol, ben cascade et CC, voilà. Donc je réenvoie Dark Doll. Et bon bah les on y m'envoie Dracaufeu. Je fais Destiny Bond en anticipant cascade. Puisque bon, je pensais qu'il allait attaquer de nouveau, mais bon, tant pis.
Il fait clonage, je fais griffe ombre et je le tue. Là, je pense qu'il va attaquer, mais bon, je suis quasiment sûr de la tenir et je la tiens. Donc je fais de nouveau griffe ombre. Lui, il va la tenir assez pour pouvoir placer un nouveau clone. Dommage. Donc il fait clonage et il active sa baie au passage. Donc moi, je fais Destiny Monde comme un idiot. Il refait clonage, puisque bon, il peut pas vraiment faire point de feu. Donc bon, je sais c'est son clone, ce qui est inutile. Là maintenant, il va me tuer. Point de feu. La peluche, elle fait dodo. Je vais lui envoyer mon Lucario. Il va rester, il va se manger ma vitesse extrême. Et bah, logiquement, il crève. Il va m'envoyer son Highwoodie qui sert plus à rien. Je vais le closer. Et au passage, je me suis fait un petit pavard. Que bon, ce qu'il voulait, c'est que je perde encore des dégâts avec l'orbe vie et que je baisse mes stats de défense. Et il a bien réussi, puisque maintenant il a plus qu'à placer son high water et à me faire aqua jet. Mais bon, je fais extreme speed. C'est pas tenté close parce que je savais qu'il allait faire aqua jet. Il résiste, il me fait aqua jet et je meurs. Voilà, c'est bien joué. Donc je vais placer sweet psycho, il va se barrer. Il ramène Octali. Moi, je suis psycho dans le vent. Je place mon mur. Et bon, bah, il fait battement. Je me barre. Je mets Pink Owner. Il fait regard noir. Par chance, il fait pas bâillement. Donc bon, c'est tranquille. Il est paralysé, je suis plus rapide. Donc je vais faire Curse. Je me dis au pire, même s'il fait bâillement, après je peux le taper. Donc bon, il fait bâillement. Et moi je reste et je fais séisme. Il prend pas le risque de switcher. Donc bon bah il va prendre des lourds dégâts. Et bah, en plus de prendre des lourds dégâts, en fin de compte, bah, je le CC et je le laisse avec un tout petit peu de vie. Il fait relais pour pas prendre de risque. Il place son high water. Évidemment je vais m'endormir. Donc j'espérais me réveiller rapidos. Manque de bol. Bon bah il fait cascade et je reste endormi. Puis il y a le reflect. Donc bon bah cette fois avec la waterfall il va me tuer. Du fait qu'il est choice bander, bah, je suis tranquille avec ce psycho, donc je vais refaire psycho. Je sais qu'il va se barrer, mais c'est pas grave, tant pis. Là je vais le tuer. Voilà, hidden power. Voilà. Et donc là bah, il va me remettre sur high water. Il fait aqua jet et je vais la tenir avec très peu de PV, mais je la tiens. Je fais psycho et voilà, il est KO. Voilà, merci d'avoir maté. Allez, salut!